C'est un spectacle où le dessin se mélange complètement au film. On s'amuse à faire perdre au spectateur ses repères. Geneviève dessine par exemple une lampe sur la table de nuit de la chambre dans le film. La comédienne l'allume et ça éclaire la pièce. Elle dessine une grève avec des rochers, et puis la mer apparaît, les vagues passent par-dessus les rochers dessinés. Elle dessine un personnage, à un moment il s'anime. Toutes sortes de choses se passent comme ça. En fait, quand on croit avoir compris, eh bien non. Les choses dessinées se transforment en objets réels et s'animent. T'es courageux, t'es gentil, tu fais rire et t'es gentil. Ou à l'inverse, le réel apparaît et se fond dans le dessin. Pas comme eux. En fait, on a dû carrément créer le logiciel pour dessiner sur de l'image en mouvement. Ça n'existait pas, tout simplement. Quand je me suis rendu compte que le logiciel n'existait pas, je me suis dit, là, je me rajoute 2 mois de travail. Même si leurs bouches sont fermées à l'alcool et la tendresse même. D'un côté, j'ai eu un peu peur du travail qui nous attendait. De l'autre côté, je me suis dit que probablement on tenait quelque chose de vraiment novateur. L'infinie tendresse du sol. Tout me dit qu'il faudrait que je cesse de chercher un salut dans le corps des femmes, encore moins dans leurs âmes. Au final, je me retrouve être un peu comme la bande sonore de tout ce qui se passe derrière moi. Tout me dit que les mondes sont fragiles, que dehors et dedans. Et que c'est assez amusant de faire un concert devant des gens qui ne vous regardent presque pas. En fait, c'est probablement à ce moment-là que je me dis que c'est gagné. D'innombrables alliés de pierre. Mes rochers sans domicile.